des routes comiques. Il y a une déviation d'Ongolasse qu'on est obligé d'emprunter. Et il y avait des mecs qui arrivaient en face, il y en a un qui m'a demandé un renseignement, il cherchait Touchy. En fin de compte, j'ai expliqué parce que j'en venais. Et Château-Renard, c'est tout droit, quoi. Donc voilà. Sans doute une ancienne voie romaine. Si j'avais forcé un peu en passant, c'était pas un sens interdit, c'était barré, mais il me semble que je pouvais quand même le faire. Je gagnais vachement, quoi. La route était meilleure d'ailleurs. Et là, dès qu'il y a une déviation, voilà sur qu'on se retrouve dans le Loiret. C'est propre à la région, ces routes. Et on passe à deux sans problème. Par contre là, ouais, 60, parce que franchement, en plus c'est à la moitié déglingué. Et voilà. Bien freiner avant, mais pas freiner sur l'herbe, surtout pas. Oh, ça fait voir les petits corps de ferme. L'aventure, c'est ça. Ah, une route normale. Enfin, normalement, hein. Oh putain, même pas. Oh merde. Oh là, bah c'est bon. Et non, route barrée à gauche. Ouais, oh, finalement, Google Maps, c'est pas mal. Encore une de ces routes à gibier comme on les aime. Oh la vache, les champs à perte de vue.
pas de blague, je le connais, c'est vrai. Il y a quelques kilomètres de Château-Renard, donc si ça se trouve, je suis dans son secteur. Château-Renard, 8 minutes. Il est sur les hauteurs, lui, donc il y a une possibilité que ce soit vers là.